Étant donné que mon ça n'a pas voulu attendre 10 ans dans le pays, parce qu'avec risque que ça a gagné là-dedans, eh bien, on a décidé pour l'été dans le pays, illégalement, à vivre dans mauvaises conditions, etc. Alors, et ça a gagné 24 heures pratiquement, et l'administration prend l'autre décision encore. Fois ça, c'est document, c'est le monde qui est TPS. C'est TPS pour un série de pays. On sait de pays, tant qu'au Népal, et tant qu'au Salvador, Nicaragua, et pays ça. Et l'administration a renouvelé TPS pour eux jusqu'en mars 2025. Et, mais Haïti n'a pas figuré sous liste pays bénéficiaire. Pas oublier que Gaïs c'est tout qui est aux États-Unis mais qui sont dans le programme TPS là. Donc Haïti n'est pas dans la liste, il n'est pas figuré dans le pays d'Haïti pas entré dans la liste que l'administration fait publier ça 24 heures, il fait Bali. Il fait Bali. Donc moun sa yo c'est alors femme dit non, d'après un avocat que me consulter que me te parler avec, il dit non, moun sa yo groupe pays sa yo c'est des pays qui te ont problème déjà qui était dans le tribunal avec l'administration. Et ça t'est passé exactement sous l'administration ancien président Donald Trump qui t'a demandé pour Moun Sayo quitter le pays. Mais Moun Sayo, il était allé dans le tribunal avec dossier. Et comme il était dans le tribunal avec dossier, et à chaque fois que le dossier dans le tribunal, il peut le faire coucher, mais pour le dossier pas expiré, l'administration, bah, Moun qui est dans le dossier Sayo, il a une extension pour TPS. En attendant que le tribunal fin pas prononcé sur dossier c'est là. Donc moi ça qui un dossier qui a fini en mars 2025, c'est eux même. Donc sinon Haïti pas là-dedans, c'est Haïti pas figuré sur liste ça, c'est parce que Haïti pas dans procès ça. Donc si nous même nous en CPS pour Haïti et m'a demandé nous prendre patience toujours. Prendre patience que l'administration gagne pour prendre décision. Si nous connaît que tout le monde qui est en CPS sur Haïti yo, dossier yo encore CPS a expiré en août, 3 août 2024. Donc, la loi, bah, l'administration a une opportunité. L'administration a gagné 2 mois, 60 jours, pour lui désigner, ou bien encore pour lui prononcer sous question, encore pour renouveler, ou bien, bah, un pays, etc. Il y a 60 jours pour le faire. Donc, je dis à 21 juin. Donc, l'administration a gagné jusqu'au 3 août. Donc, il y a une fenêtre de semaine, non, 2 mois, il y a une fenêtre ça. Mais d'ordinaire, l'administration toujours prononcé le plus bonheur. Il part en ces 3 août avant de pouvoir prononcer. Alors, il y a 2 dossiers qui devant, que militants, cap défendre immigrants haïtiens et surtout. Eh bien, il y a 2 dossiers qui devant l'administration, d'abord, qui a négocié avec l'administration. Un côté d'abord, c'est, renouveler TPS pour moun ki déjà gen TPS, moun ki ici depuis pratiquement depuis 2010, si c'est pas même avant, et qui sous TPS. Donc, mandé pour renouveler TPS pour ça. Et puis, non, l'autre dossier que les migrants ont discuté toujours, c'est redésigner Haïti dans un nouveau programme TPS pour inclure nouveau monde qui part dans TPS. Yo. Pour tout le monde qui était dans le pays légal ou illégal, qui dépassait ses jours, mais qui était rentré non pas quand même, il était venu aux États-Unis, et bien pour tout le monde, ça, militant a demandé et a négocié avec l'administration pour que l'administration considère le groupe Monsaro. M'a parlé après Jovenel, c'était après Jovenel, après enterrement, après assassinat, ancien président Jovenel, défunt président Jovenel Moïse. Eh bien, depuis là, ça, il y a des gens qui sont entrés entre temps. Donc, les gens qui sont entrés entre temps, eh bien, les gens ça. VOA Creole content d'accueillir aujourd'hui une délégation Inter-American Foundation qui sont délégations mixtes. Et là, nous dit délégation mixte, là, ça veut dire qu'il y a là-dedans qui sont en Haïti et qui travaillent sur place dans Washington DC. Et dans la délégation, ça, nous avons 2 personnes qui sont en Haïti et qui ont même parlé de ça y a fait. Et qui ça y a venu faire dans Washington DC. On a commencé avec d'abord monsieur Jesse Bon Pierre Mérité qui joue un rôle spécial dans Inter-American Foundation. C'est un plaisir pour accueillir sur plateau VOA Creole. Dis-nous non et qui ça va faire dans la fondation en Haïti. Bonsoir Jacqueline et bonsoir à tous et auditeurs avec téléspectateurs Captain Leo. Donc moi c'est Jesse Bon Pierre Mérité, on vit à Port-au-Prince. Et moi, c'est mon Jacques Mel, je suis mon Jacques Mel.
représenter les liaisons locales pour la fondation. Donc, le job pas moins, surtout, c'est garder l'organisation qui finance, qui travaille à faire sur le terrain, et surtout à travers différents départements. Et aujourd'hui, on trouve dans Washington DC, et côté grand l'activité, dis-nous nos histoires, fait dans Washington DC. Oui, et c'était une occasion spéciale parce que tu as une rencontre avec l'autre monde qui travaille en Haïti. Et tout, nous avons visité quelqu'un dans le congrès qui a appuyé le travail de la Fondation en Haïti. Donc, c'était une occasion pour nous dire que les gens savent marcher en Haïti. Et que les gens savent marcher en Haïti. Nous connaissons une situation très difficile en Haïti. Effectivement, situation très difficile en Haïti parce que, vous connaissez, depuis quelques temps, à cause des situations de violence dans Port-au-Prince, un peu le monde est déplacé à aller dans la zone provinciale. Donc, il y a un peu d'activité qui a fait au niveau provincial. Mais ça qui est certain, c'est que, et qui doit résumer, c'est que, violence là, quelle violence là, c'est n'importe quoi. Ouais. Et avec une tacadie département de la Tibonite qui a affecté un peu. Bon, situation violence là, il y a un impact sur l'autre département et sur l'autre travail fondation a fait tout dans le pays là. Et qui côté fondation y est même? Qui côté y est et qui service que l'offre by population? Il n'y a pas un bureau n'importe quoi. C'est pas un bureau. Mais le grand point focal de nous-mêmes. Et puis, qu'on y a l'organisation de base qui est dans le département sud-sud-est, qui travaille dans le développement, dans l'agriculture, dans l'élevage, etc. Ils ont financé l'organisation. Par exemple, le docteur Mizadi qui sorti cap haïtien, il y a un centre de santé que la fondation a financé. Et il travaille dans des communautés, peut-être qu'il n'y a pas le paléo, qui est l'activité qu'il a fait, dans le domaine qui parle, qui est financé. Et bien, l'autre organisation, tout qui bénéficie dans l'autre domaine qui est au travail. Et bien, effectivement, nous avons avec nous, et Dr. Maudelin, mes adieux, ou tant qu'il mérite ce deal, et bien, ou même, ou responsable d'une organisation, et qu'il est même bénéficiaire de Inter-American Foundation. Parlez-nous de l'organisation d'abord. Et merci, M. Jacqueline. Bonsoir, M. Jacqueline. Et n'a dit bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir, matin, pour nous trouver nous dans la radio, pour nous parler du travail nous, et au niveau des Cap-Haïtiens, dans le nord des pays. Alors, nous-mêmes, c'est M. Adi Maudelin, son docteur en médecine, et nous responsables d'organisation relais, unité de pour la santé. Rôle nous, travail nous, c'est bailler en soins de santé primaire. Les nous, de soins de santé primaire, nous pas chita seulement, nous faire consultation et bailler médicaments, et faire analyse, mais aussi nous avons un problème des bases communautaires. D'accord, on y a vu dans une situation critique, le bagage de l'eau pour boire, pas de manger pour manger. Ça fait organisation noire, une entrée dans l'autre domaine, et nous avons dit, nous avons une organisation de développement communautaire. À partir de là, que nous avons trouvé fonds dans une organisation interaméricaine, faciliter le travail de l'eau et avancer plus bien. Donc, vous recevez fonds, financement dans la main Inter-American Foundation et pour capable de faire travail. Expliquez-nous, là, vous recevez fonds qui sont faits avec elle et qui gens que le repartir et est-ce que l'organisation a une équipe de travail et qui nous a fait? Donnez-nous plus d'explications sur ça. Exactement. L'organisation, qui est une unité de lutte pour la santé, nous travaillons dans deux communautés ou bien dans deux départements, qui sont le département nord. Et Cap-Haïtien, clinique nous trouvons, nous, centre de santé nous trouvons, au niveau de la communauté des Fort Bouvard, Bandino, sur la Badi. Aussi, nous travaillons dans le département nord-est, qui c'est dans la commune de Mont-Bec-Pochy. Avec fonds que nous trouvons dans l'organisation interaméricaine, ça permet nous de renforcer la capacité, nous. L'aide de renforcer la capacité, nous, en tant qu'organisation, c'est augmenter le nombre de personnels, nous. Point d'information, c'est agrandir le bâtiment, nous. Tant que nous avons agrandi le bâtiment, nous, comme maternité, permettre de faire plus d'accouchement qu'à accueillir les femmes qui ont besoin pour accoucher. Et aussi, nous avons agrandi le laboratoire, nous, ça facilite nous qu'à accueillir plus de malades et qu'à faire plus de tests de laboratoire. Et aussi, dans un monde de coucher, surtout, nous avons renforcé la capacité d'organisation du bas-jour, tant qu'avec micro-projets et supporter MISO qui est dans la zone, supporter les gens qui travaillent plus pour qu'à aider eux et subvenir à besoin que y ait dans zone qui c'est besoin premier nécessité. Bah est-ce qu'on capable de balancer des chiffres, des gens pour nous capable et ça va faire et combien monde nous aider, combien consultations par exemple que nous bail et monde qui a travaillé des agents, combien un petit peu pour chiffre capable parler actuellement et tous les descendants de santé que nous gagnons et servir environ 800 du monde par mois, 800 personnes par mois. Et organisation que nous avons passé dans environ 1200 membres,
comme organisation. Et travail que nous faisons, ce sont des travaux qui sont palpables, qui sont tangibles, qu'on travaille, d'un coup, nous subventionnons les manioc, côté manioc, qu'on y a, non seulement, il y a qu'à travailler, faire plantation, mais aussi, il y a des moyens pour transformer manioc en cassave, ça facilite le vent cassave, et pour qu'on résoudre le problème. Monsieur Naïté, et monsieur le temps des docteurs, et mes adieux qui a parlé de agriculture, il parlait de santé. Est-ce que nous avons l'autre domaine encore que nous entrer là-dedans? Alors, une approche que la fondation, c'est qu'il n'y a pas choisi qui sa communauté a pas le fait. C'est la communauté qui a choisi. C'est ça fait que il y a plusieurs types de projets. Mais ça qui arrive, c'est que, étant donné que l'organisation, fondation travaille plus avec l'organisation de base, l'organisation communauté paysanne, ça fait que majorité financement, nous avons 25 financements actuellement, 25 organisations que nous finançons actuellement en Haïti, qui répartissent dans tout département. Dans le centre, dans le plateau central, dans le plateau central, dans le nord, dans le sud, nous avons plusieurs. Nous avons l'organisation femmes, qui milite pour question des droits femmes, des organisations qui travaillent dans le domaine des transformations, et dans la santé, nous avons des organisations. Donc, c'est une variété. C'est une variété qui prend ni femmes, ni garçons. Bon, nous avons une délégation qui vient là, malheureusement, nous n'avons pas parlé avec tout le monde. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de délégation? Parce que, ouais, l'autre monde qui vit en Haïti, qui est là avec nous, et nous, les étrangers, tout, qui ont même basé dans Washington. Oui, parce que nous avons Carolina Cardona, c'est nous représenter pour Haïti avec le République Dominicaine. OK? Nous avons l'autre collègue, nous là, c'est un Haïtien qui vit ici, mais nous avons rencontré avec lui, parce que c'est, nous partageons chalet Haïti avec lui, tout même, j'ai avec vous-même, qui sont, au monde que tout le monde Haïti connaît. Maintenant, ça fait que, et nous avons l'autre camarade qui était là, qui était photographe, qui venait, parce que c'était occasion tout, et dans la situation, nous, pour nous parler, et bien travail qu'a fait. Communauté ou pas mourir. Haïti pas mourir. Ouais. Et Gampil, nous avons dit tout, Gampil espoir par rapport avec la situation actuelle, parce que ça poussait que Haïti, qui est un pays, est totalement centralisé, vin et en pile monde vin ouais nécessité pour retourner un petit peu aller Jacmel aller au moi-même c'est mon Jacmel bon moi-même content retourner la caillou donc c'est une opportunité par exemple pour docteur Mizadier probablement la parler ça aller nous t'es analysé pour le projet Lio t'es une nécessité pour y avoir un bilan donc une fondation avec l'autre partenaire y arrive financer un bilan ça qui permet que vous diminuez pression et sous question et ça. Et l'autre vient tout à cause des déplacements qui fait n'importe quoi. Organisation de base, il y a une pression sur eux. Organisation rurale, il y a une pression sur eux. L'école dans la zone, il y a une pression sur eux. Donc c'est une opportunité pour nous comprendre que et Haïti pas Port-au-Prince. Oui, OIM se font un rapport là, côté le parlant pile de monde qui déplaçait, qui était Port-au-Prince à la province. Est-ce que situation politique ça, avec tout déplacement gain, violence avec mon gangio, est-ce que ça lui-même c'est une opportunité que le Bano, on parlait de Inter-American Foundation, c'est une opportunité que le Bano pour nous-mêmes pour nous capables d'agir actionnons? Non, moi pas dit c'est une opportunité dans cas approche pour nous, parce que approche fondation c'est une approche communautaire. Ça veut dire qu'il était toujours travail dans la communauté qui est plus régulière. Donc ça fait que seul ça qui vient bien, c'est que c'est organisation partenaire qui n'est plus pression. Par exemple, si monsieur te compte faire, si par exemple, ULS t'a habitué à faire 500 consultations, qu'on y a la fait 800, parce que le monde qui sont je vais arriver. C'est même bagarre là, t'as qu'à prendre, même pour l'école nationale, etc. Donc, c'est comme ça, contexte ça. Donc, OK. Jodia, ou dans Washington DC, ou fait plusieurs rencontres et ou rencontre avec les responsables. Dis-nous, qui porte ça par gain, qui bénéfice que ça gagne et passage au Washington DC? Donc, porter ça, c'est aider l'autre organisation qui t'habitue à travailler sous Haïti et nous partager expérience. Et l'autre fini tout, l'autre monde, soit qui parlement qui travaille dans le Congrès, c'est une occasion que le monde qui qu'on appuie Haïti, donc nous partager le travail qu'a fait dans la zone rurale qui fait à travers le financement de la Fondation Interaméricaine. Docteur Mesadieu, situation très difficile dans le pays d'Haïti, mais t'as semblé que ça pas empêché qu'on continue avec action qu'on a mené et bénéficier tout de Interaméricaine Foundation. Et nous deux cas de situation en Haïti, c'est une situation qui, nous deux cas de qui vraiment pas bon, dans le moment qu'il n'a pas l'air. Mais par contre, nous deux cas de tout, Port-au-Prince pas Haïti. Donc, c'est un moment
qui viennent rendre zone en province où il y a plus de problèmes et plus de défis pour lever. Parce que le fait que Jacques et nous tous connaissons là, et tout gros marchandises, je me garde commercial, c'est Port-au-Prince pour acheter. Et tout pour nous gagner dans le pays, à côté de gaz sauté, c'est Port-au-Prince. Une fois Port-au-Prince, il y a un problème, donc machine ne va pas traverser, donc zone de provinciaux, lui-même, il souffre plus. Mais par contre, et zone de provinciaux, et on te garde de sécurité, si on me demande pour aller au campus avec moi là, je suis très confiant pour me dire bon, on va aller. Parce que nous-mêmes, nous pas subi les conséquences ou bien problèmes et violences là, même avec moi qui porte au prince. Mais par contre, nous-mêmes, pour le moment, nous avons besoin plus de moyens, plus de corps pour nous fonctionner. Donc, je pense que c'est une occasion tout. Et pour nous encourager tout le monde qui veut supporter Haïti, au lieu de dire bon, il n'y a pas qu'à aller porte au prince, mais ce moment pour nous épanouir dans la zone provinciale. Et qui j'en passe à journée aujourd'hui à la capitale fédérale des États-Unis, à Paris de Washington, qui j'en visite ça pour aider dans l'action qu'on a menée, surtout au niveau santé et même agriculture. Et je pense que visite santé motive nous à ce que pour nous dire tout le monde dans Washington DC, et encore une fois, Port-au-Prince pour Haïti, et Yogan, nous encourager pour investir dans la zone provinciale. Donc je pense avec conférence que nous avons à Washington, encourager les gens pour aller à la province, ça capable de bénéficier les gens en province pour recevoir plus de visites, peut-être plus de support, ça va permettre de travailler nous avancer plus vite. Est-ce qu'on a un dernier mot, et parce que je vais monsieur mériter un dernier mot, docteur Misadio, un dernier mot dans le cadre de l'entretien que VOA Creole a gagné aujourd'hui à Washington DC? Nous avons dit VOA Creole, merci pour l'opportunité ça, et nous avons dit de continuer le travail qu'elle a fait, et encourager tout le monde dans Washington DC qui a supporté Haïti, pour continuer à supporter Haïti. Monsieur mériter, vous gagnez un dernier mot? Non, merci avec la Fondation Interaméricaine et l'autre organisation qui était soutenue en Haïti, tout qui était participé dans la conférence. Nous dit travail que la Fondation a fait appuyer la communauté, ça baille communauté espoir. Et l'autre bagaille que je voulais dire pour moi fini, c'est que communauté ou pas pour, il y a des ressources partout. Ça va dépendre que j'en ai même de mesurer les ressources. Donc, moi dis nous merci parce qu'on te recevoir nous aujourd'hui, ça fait nous vraiment plaisir que nous partager l'expérience ou même j'en ai continué de partager avec l'autre. Merci beaucoup. Merci en pile. Donc, nous te recevoir deux membres d'une délégation Inter-American Foundation qui ont même été dans Washington DC et côté où ils vont faire visite spéciale. Nous avons d'abord avec nous deux si bon Pierre Mérité qui c'est point focal dans Inter-American Foundation qui t'a expliqué nous sa organisation et ça est après Washington DC et puis nous avons Dr. Mesa Diotou, les mêmes qui sont bénéficiaires de Inter-American Foundation, côté que les mêmes ligues, pile action que nous avons mené dans le département, surtout dans le département nord, dans le grand nord là, et avec question agriculture et avec santé. Donc, c'était un plaisir pour nous accueillir, et faut dire que vous faites partie d'une grosse délégation qui t'a visité nous, l'Odia, dans Washington DC. Merci un peu, monsieur. Moi, c'est Jacques Labellisère. Je suis aussi ancien général et Gantz. Et monsieur était démissionné, ou l'autre monde démissionné, mais et le ministre a déclaré que le départ est nécessaire. Bon, juste c'est grand, c'est demandé de même, il faut le cabinet ça, mais le départ est. Et l'autre monde est extrême droite, qui est dans le cabinet, a tout démissionné, mais le monsieur a demandé pour le simple départ en plan. Et après, Israël a dit que le plan engagement si, et le premier ministre a signé, donc si c'est le plus simple. Paris de détruire à Mars et bien lui-même et la démissionné et la casser capitaine. Ça va même qui a pas changé. Toujours bien un plan pour lui détruire à Mars. Libérer otage israélien qui n'a même et limité à Mars depuis octobre. Et dans le pays d'Haïti, c'est toujours. Qui va remplacer déjà toute disposition au point, etc. Mais et nous connaissons un pile et secteur qui est détruit et conservé peut-être en précédent. Pas de prix maintenant, il y a un gars là sous l'administration là où je
aussi bien pile attaque, victime, et que nous avons et que nous avons fait le même petit peu de trois gravés, du patron de combat à la fin, pour nous demander, et c'est pour nous demander pour le démission. Et ça, c'est ce que nous fait, mais en attendant, Ramon Amil, et Washington, et démission à Canada pour la remplacer, avec le nouvel premier pour la remplacer, parce que mais Ramon Amil, c'est bon, c'est le national, pour lui-même tout. C'est tellement vrai qu'il y a un secteur qui dépote plein de lui après la mort, bien assassinat, d'un étudiant dans l'école normale qui a été pris par le député de la police. C'est décrit à l'époque là et il est vraiment obligé de l'aller. Et c'est même une importante. Assemblé ces métiers d'après ça, on met déjà ici rapporté. Et monsieur Damio, eh bien, il est bloqué là. Premièrement, compagnie qui était sorti avec la République Dominicaine, non, pas venir retourner avec la République Dominicaine parce que il dit qu'il n'y a pas de visa. Ensuite, compagnie pas venir continuer avec eux pour aller. L'autre compagnie pas venir continuer avec eux pour mener au Nicaragua. Et donc, ça veut dire que ça a bloqué. Donc, il était ça appelle et urgent par les autorités haïtiennes et nouveau ministre de l'Intérieur, Mme Dominique. Et bien, il y a été huit messages que nous avons dans la ligne, qui étaient publiés hier, mais nous avons pu passer et nous sommes là haïtiens dans Quito, Équateur, pour prendre des dispositions pour que nous dégagions, fouetter en avion, si ça fait vraiment des groupes concours gouvernement équatorientaux. Pour que vous rapatriez et vous compatriez ça. Alors, ça passe là. Nicaragua n'a pas eu le temps qui passe. Il y a des gens américains qui ont annoncé que la série de compagnies aériennes qui ont pris le monde sur Haïti pour mener Nicaragua. Parce que Nicaragua, ce n'est pas la destination finale. La destination finale, là, c'est surtout de nous traverser pour tomber au Mexique et du Mexique pour marcher jusqu'à la Tunisie. L'administration américaine dit que la Tunisie, nous sommes en train de voir organiser notre travail. Mais pour que les compagnies aériennes prennent nous à risquer la vie pour la zone, la rivière, etc., qui a droit, etc., de travailler là. On a espéré qu'ils sont libérés, et sinon, les compagnies aériennes, 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 Nicaragua, par exemple, et qui parle de Nicaragua, et qu'on est de Nicaragua, et qu'on est de Nicaragua. Voilà, c'est ça, c'est une situation liée. Et n'a pas parce que effectivement qui l'est parce que pour pas contact qui fait parce que pas un vol direct entre Haïti avec Équateur très certainement vous savez pas passer de l'autre côté en transit ça monte le pont un vol direct qui sont là depuis Haïti Afrique pour les rapatrier mener pour partir ça retourner la caille, retourner en Haïti. Ils sont appelés eux-mêmes tous les dénoncés. Ils demandent aux autorités haïtiennes pour faire ça, qu'ils ne sont pas pour eux. Ils ont retourné parce que tout ça était quand même fini, l'argent était quand même fini, tout ça fini. Donc, on va retourner et demander aux haïtiens. Et il semble que les gouvernements haïtiens, en fait, les gouvernements haïtiens, les nouveaux ministres affaires étrangères, ils répondent à l'appel. Et à appel ça, c'est puis la communauté haïtienne, on a marqué. Comme ça se fait face à un gros inondation là, qui frappe sérieusement, mais l'autorité autour locale, il y a une disposition pour que la cité monde finit avec le gouvernement. Et c'est mon ancien ministre, Mathieu.
Haïti n'a pas aidé et l'esprit Maniga n'a pas si là. Nous croyons que c'est peut-être comme ça semaine commencer, mais quand même il y a toujours attention à fixer pour eux. Pour commencer comme encore le gouvernement, comme c'est bas résultat, après une gare économique, rencontre tout avec famille et trois membres de contact des victimes récemment, donc qui est le temps et ça nous coupe et vivre ensemble. C'est pas un emploi, mais comme ça a été mouru, on veut promettre l'ouvrir en enquête, justement, bah, il se dit, et ça qui est passé dernièrement, pas plus de renforcer à ça. Comme on savait dit que face à la résultat dans l'enquête qui a mené pour connaître cause de qui est-ce qui est responsable. Est-ce que monsieur était en mission? Si vous êtes en mission, pour ça que pas de bon enfant et pour te courir l'air il y a besoin et monsieur prend un département. Mais la police depuis quelques jours a mené une opération dans un endroit. Il est dans un endroit à mener une opération de barbecue, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles qui va être. Est-ce que les résultats sont pas passés exactement? Voilà, et je vous remercie aussi de vous présenter la salle avec la famille à prochain débat qui va venir en ce qui va donner un compte avec les présidents de la salle et le magnet. Ça, l'animateur il vient aider à fixer les conditions pour les candidats. Ça peut pas faire. Par exemple, il veut dire qu'il n'y a pas qu'à venir avec notes, après venir avec pas de tout et tout, pas de bagarre comme ça. Ça fait pour mettre sous table à mettre un bloc papier, et puis prendre notre même. Et puis il y a un bail aux plumes, et puis il y a une bouteille d'eau pour voir, mais il n'y a pas qu'à mener le monde, il n'y a pas de bruit, etc. Il n'y a pas de bravo, etc. Donc c'est conditions qui sont censées. Après, c'est-à-dire qu'il va prendre l'entendant là, dans pratiquement, et dans moins de mois, il va se dégager la campagne pour le président de l'Union européenne, justement, en New York, et parce qu'il y a maintenant une grande accusation que et mélange différents documents et business de côté de TPI et mon avocat personnel sans qu'il y ait ça a été coté de TPI et d'après l'expérience, il était probable que l'ancien président ne doit pas tomber en bas sanction, ou bien ne doit pas prendre rien, aucune mesure contre lui, ou bien ne doit pas prendre en probation, parce qu'il était une longue période de temps pour que les bagages ne fassent aucun désordre, que rien ne doit pas, comme son first time, en fait, ils ont montré plusieurs fois que il y a problème avec la justice, donc les gars ont décidé ça, donc ils sont capables de mettre leur suspension, il y a plusieurs bagages que l'on fait sans balles de mise. Et si le travail en prison, il est certainement au moins minimum total. Ça qui est un bas qui va déranger le candidat et ancien président de l'encontre. Il dit même, il dit le pareil, il dit le seul encore, ça va le faire avec le ministre, ça va le faire avec le travail. Donc, la question va être, on va vous en avoir l'école, pour moi c'est président. Et nous pouvons avec la question de alors que nous sommes dans cette I'm going to keep you by me, like, speed.
fonds immédiatement à des spécialisations déjà et contre le froid qui est une spécialisation. Et nous devons faire des demandes pour que les pays, tous ceux qui ont 10 pays, qui se sont là, 4 ans, et l'Ankaïa, la l'Université de Sous-Sina, et l'Amérique du Sud, et puis les nouvelles qui se sont là. Il y a une situation qui s'est apparue de Venezuela et on peut se situer en Europe. Il y a une situation en Europe qui s'est apparue de l'Europe. Il y a une situation qui s'est apparue de l'Europe. Il y a une situation qui s'est apparue de l'Europe. Il y a une pour aller à la fin de la et m'a toujours retourné sur ce dossier ça avec nous de temps en temps. Donc sous ce pontier à combien là, on va regarder le programme ça, et bien, à partir de l'union, simplement, tout ce qu'on peut faire simplement, c'est justement prendre vous dans CPP1 et puis il attend une fois. On va pas décourager parce que c'est pas facile. Il y a assez qu'on y a pour un peu de 1500 chaque jour. Donc l'application de 1500 ça n'a pas de chance. Donc à quoi à côté de gens devoir prendre, pas rater un devoir et aller là. Même souvent, on est déjà aux États-Unis, il y a quelque chose pour ne pas oublier. Tout le monde a un programme par événement, par exemple, pas oublier que l'on est pour faire un test de tuberculose. Pour faire un test là, il faut mettre une application là pour faire un bon. Yo là, yo dans le pays, et bien yo même, yo par un TPS, parfois visa expiré. Et comme visa expiré dans le moment ça, et bien tout le monde sait, yo pas de TPS. Donc c'est monde ça que militants sont censés négocier pour eux pour que eux même yo vienne inclure dans le nouveau programme TPS ça si yo désire Haïti dans le nouveau programme TPS ça. L'autre part encore que militants a négocié toujours avec l'administration, c'est monde qui vient dans le programme Biden. Donc tout le monde qui vient dans le programme Biden son contrat que lié et contrat 2 ans lié. Que après 2 ans si l'administration pas prend l'autre décision, eh bien, après 2 ans, tout le monde qui est dans le programme Biden, après 2 ans, fin de faire dans le pays, ou deux retourner à la caille. Rappelons que 2 ans, contrairement à ça, on peut comprendre qu'il était commencé à partir de 2023, janvier 2023, eh bien, et pas ça. Dès qu'on entre aux États-Unis, quel droit leur entrée, eh bien, autorité la douane, ou bien immigration, CBP, y'a bon, on visa, on permet de séjour pour être dans le pays pour 2 ans. Par exemple, soit aux États-Unis, je dis, eh bien, il y a bon, on permet ces jours pour 2 ans. Ça veut dire que 23 juin, ou bien 21 juin 2024, eh bien, il y a bon, on permet ces jours qui a fini 20 juin 2026. Donc, 2 ans par écarté. Donc, ce sont 2 ans qui cachent, qui garantissent, quel que soit l'ovine, on obtient rien 2 ans. Donc, c'est ça que mon dieu est bien connaît. Donc, il part commencer en 2023. Donc, qu'on y a tout le monde bien connaît, groupe monde qui parle gain 2 ans yo les gain 2 ans qui s'administration fait avec yo est-ce que après bah extension est-ce que après débuter un peu mais au départ c'est un contrat 2 ans que lié l'administration dit on va faire 2 ans après 2 ans pour retourner dans pays yo mais programme tant que programme nan là son gouvernement démocrate et puis programme n'a continue gain monde qui dit que si un gouvernement républicain vient est-ce que pas changer bon c'est droit et gouvernement pour les décider ça le fait parce que son décret qui te prend, c'est pas un bail, qui est pas une proposition de loi que le Congrès a voté, non, puisque c'est pas un projet de loi que l'administration te soumet par le Congrès, comme le Congrès a voté que l'administration signe. Donc, c'est un décret, tout simplement. Et un décret, un autre décret capable d'annuler. Et c'est ça. Par exemple, le président Biden a fait ça en 2021, l'a monté, il y a des décrets que le président Trump te prend, et bien, il te prend lui-même, il prend l'autre décret, il annule le décret que le président Trump te prend. Donc voilà, c'est ça. Donc, nous n'avons pas besoin de paniquer, nous. Retendre officiellement que l'administration d'un bagaille sous bagaille TPS. Il y a un débat nous t'a aimé, il y a un débat qui a parlé, que les militaires ont parlé avec les immigrants, ils ont parlé en faveur de nous. D'abord, renouveler TPS pour Haïtiens qui ont TPS déjà. C'est maximum, c'est 18 mois. Et puis, il y a demandé pour l'administration
redesigner Haïti pour inclure plus de monde qui n'était pas de GPS, mais qui a un séjour fini aux États-Unis. Il a demandé pour inclure monde ça. Et troisième catégorie, il a demandé qu'on ait Simon Biden, yo, qui vient aux États-Unis depuis, en fait, depuis les, et dès que ça a été passé en 5 janvier 2023, et bien, monde qui est venu sur le programme Biden, le programme humanitaire par là, et bien, depuis, monde ça a été tout pour inclure tout là. Donc, c'est là pour nous faire un petit temps. Et, il est capable pas prendre trop pour nous jouer une réponse. Et, avec plaisir, moi, là, qu'il y a un gros autre bruit là, un gros invité là, qui sorti, et, dans grand terre, mes amis, dans grand terre, l'autre bord de l'eau, mais qui traverse de l'eau. Alors, France et Anglais, ils ont eu les lames à lac, et pond, ils ont eu les lances au lac. Eh bien, nous avons. Bon, qui te présente tes spectateurs là-bas, dame? Ils habituent déjà, oui. Eh bien, dis-moi qui ont eu les noms. Eh bien, c'est Jedem, c'est. Eh bien, nous sommes dans la ville Lumière. Ouais, la ville Lumière. Nous avons eu mon enfant, ça, on a un pays dans le monde. Il y a tellement de divin. Qu'on est en sous, là, on dit. Non, tu vas boire du vin avion. Ouais, c'est cognac. C'est oui, cognac. Parce que avion c'est plus bon côté de l'opéra. Ils sont bien traités au dollar à bord avion qui prennent en France. Parce qu'ils boivent du vin. Et ils boivent un peu dans mon rivière là. Non, 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 boivent du vin, non. Nous boivent du cognac, non. Et puis, si recette française, non. Bon, moi, c'est un peu de baguette. Tu vois, ici, à soupe, je baguette, mais non, côté pour lâcher baguette. Je vais pas me trop sentir isolé, en fait. Okay, c'est okay. Ça. Donc, tu sens, c'est quoi la cage? Gedems, ça te mène aux États-Unis. Ah, ben, justement, moi la caille moi vinn nan famille vinn nan famille et c'est accueil là tellement chaleureux et moi ému on continue si mon cap gade là sur Facebook hein? On dirait hein ah bon ah, ouais. M'a salué tout auditeur yo tout téléspectateur yo tout fanatique nous yo oui. Hein fanatique ville lumière yo oui. Salue nous m'a salué particulièrement la communauté SN de France forme de que gagne une équipe soudée tous les soirs cap veiller actualité et communauté là malgré différence là malgré ça ça va déranger ça va déranger il y a pris tant surtout les grands événements surtout les actualités politiques là un peu chaudes et il y a tant pour que moins pour tes informations hein, sauver ou accueillir parce que à la base c'est l'unique média haïtien qui est implanté dans la communauté haïtienne de France là qui est capable de bailler autant de largesse, autant de d'écho à l'information. Okay. Et c'est la voix de l'Amérique à travers et moi-même en France qui est capable de dire toute l'Europe parce que nous marchons. On est tout le continent en monde là. Nous faisons marcher en pile. Nous faisons marcher en pile. Donc tout le continent, c'est la voix de l'Amérique et son fierté pour que moi pour tes chapeaux ça et mon papa j'aime suspendre et remercier grand Dieu Jéhovah j'ai un privilège aujourd'hui me chita beaucoup de gens haut ouais me chita beaucoup de gens haut donc yon icône et malheureusement je dis que nous avons pensé très spécial aussi pour Sergio Rodriguez mais oui. yon icône Nathan Sergio Nathan Sergio mais c'est franchement c'est ça pas gain prix pour côté aux gens parce que pour tout ce représenté pour tout ce fait pour Haïti pour les communautés de la diaspora merci encore. Ah voilà dit que nous content nous apprécier ça en pile et nous content qu'on vienne visiter nous. Donc on va faire partie mon 3 mois avec nos boys. J'ai 2 ans à faire, c'est 2 ans. Justement, donc c'est malheureusement c'est en formation, là on parle en formation dans quelques minutes là, puis après m'a visité et quelques institutions et après m'a visité PIA et puis n'a viré pour New York et puis n'a retourné la caille nous parce que communauté a besoin de nous et famille aussi l'attend nous tout. Alors qu'on est on sort à Paris, bon nous connaît que Paris c'est capable d'organiser prochainement les Jeux Olympiques d'été. Alors dis-nous qui genre ambiance et non et qu'on y a envie de Paris qu'on y a pour question et compétition ça. Actuellement esprit est très surchauffé et même au niveau de la communauté SN de France tout le monde est obligé de modifier le programme. Bon, dans tout sens, dans le bon sens, aussi dans le mauvais sens. Parce que les gens qui étaient venus pour aller en vacances, ils préféraient attendre les Jeux Olympiques là, ils disent bon, je ne vais pas aller, après, ils ont fini à cet événement ça. Même si, pour la plupart,
les Parisiens ou bien il y a pas une chance vraie pour assister avec yeux par eux. Non, là, pas capable, pas capable. Impossible. Pas moyen. Impossible. Mais au moins le gouvernement prend des mesures pour que le monde qui pas qu'à aller, par exemple, aucun doit aller sous Champs-Élysées, mais aussi de gros pancartes que des monde qui aller. Gros écran, il met des gros écrans, etc. Mais malgré ça toujours, Jérôme pas bon menti, c'est impraticable. Ouais. Mais mon panas, mon yo, mon panas quand même. Mon panas. Son parisien. Son parisien. Son parisien. À Montparnasse, ouais, à la place de Concorde, et Tour Eiffel, etc. Ouais. Je pensais que c'est là, tout le monde le poil lié. Les grands rassemblements, c'est là que VOA Creole, à travers moi-même aussi, m'a fait pour nous faire téléspectateur vivre, et moment ça, quelques dans moment ça, même si pas toutes, mais quelques dans moment ça, pour que capable vivre, juste, après 100 ans, ils ont leur jeu olympique à Paris. Franchement, ça a mérité pour moun, pour une vivre. Et puis, la compétition a déroulé dans le même moment, côté support politique, nous ne pouvons pas parler ça. Et le président Macron a dissous le Parlement. Et donc, pour gagner l'élection, c'est presque pratiquement dans la même période-là, ou presque. Le jeu olympique est bon pour le président Macron. Il est bon parce que ça permet que l'esprit anti-jean écarté de situation politique actuelle et pays la France en ce moment. Donc, parfois, les gouvernements besoin écartent-ils de parce que chaleur politique là, parce que au gain et extrême droite là qui montait avec Madame Le Pen très en puissance avec Balela, monsieur qui trouvait la bonne position et il a parlé même pour que c'est lui qui avait une premier ministre à la place de Gabriel Attal, etc. Donc les présidents Macron ont besoin ont écarté école de situation ça l'obligeait quand même parler de organisation olympique et oui. Même malheureusement, ça n'a pas empêché quand même, dans le déplacement il y a des Français qui sont très remontés, qui interpellent lui, parfois même avec rudesse, même, nous capable de dire, qui demandent qui côté que le voulait mener le pays. Donc en ce moment, le président l'obligé livrer le corps et âme dans faire campagne, oui. Dans faire campagne pour empêcher que l'extrême droite prenne le pouvoir. Non. Voilà. Et puis, bon, c'est politique et sport. Donc, sport, là, toujours, c'est ça le côté monde. Tout le monde, pratiquement, rencontré. Et même si nous gagnons des divergences et politiques, mais là, il vient sous sport. Et il vient garder pays. Donc, on y a français, qu'on y a campé pour supporter à tête française, particulièrement pour eux. Parce que nous parlons les grands ténors. Nous parlons la Chine, nous parlons les États-Unis. S'ils ont les grands ténors dans les Jeux Olympiques. Donc, très certainement, français, on parle campé des à tête française pour eux. Ce qu'a aidé. On parle d'un type de Kylian Mbappé actuellement, non. Parce que nous connaissons un pile fanatique, mais monsieur, et c'est peut-être mon abgade, monsieur, comme éventuellement prochain Lionel Messi français ou le prochain Ronaldo français. Kylian, pour ce soir, tout pour n'attendre, dans quelques heures déjà, et nous capable de dire le acte d'entrée oui. En Europe là, et qui frappait sur mon gros choc nasal, donc obligé de faire un masque pour Kylian, et je dis à Kylian a bien responsabilité, et surtout en tant que capitaine, pour le prouver qu'il est un grand Kylian, et montrer qu'il est à la hauteur de cette tâche. Et nous pensons, il est entraîné, je crois. Oui, il est entraîné. Oui. Donc, du coup, Napton, Kylian, devant, je crois, c'est devant la Hollande ce soir. Oui. C'est un très grand match. C'est un très grand match. Il a bien pile action dans le match là. Donc, n'espérez que la capotée couleur bleu, blanc, rouge là, dans les bonnes positions, parce que c'était pas convaincant le premier match de la France. C'était pas convaincant, même si que il prend 3-1, mais quand même, c'est avec un autogol et qu'il y a pas marqué, là, je dis, là, nous espérons que, et problème n'en est un, n'est cassé, pas empêcher que Kylian lui marque, je dis, là, pour le bonheur du foot, parce que, comme on se dit, Jean-Haut, c'est futur Lionel Messi, c'est futur Cristiano Ronaldo. Donc il doit montrer que lui à la hauteur de gros titre ça yo, déjà pour une Coupe du monde déjà, il déjà montré déjà, mais là faut qu'il prouve encore une fois que il est capable de remporter Coupe d'Europe là avec le pays équipe française de football là. Mais faut pas fini d'accord le fait que Kylian Mbappé était
quitter Paris Saint-Germain pour aller en fait dans Real Madrid éventuellement avec possibilité pour les combats qu'il manquait c'est en Coupe des Champions, Coupe d'Europe des Nations, en Coupe des pays, en fait en Coupe européenne. Il manquait les Coupe des Champions européens et c'est peut-être ça qui justifie raison, mais français pas pardonner le fait qu'il quitte Paris Saint-Germain, mais il a remarqué que ça n'a pas marché dans Paris Saint-Germain, c'est peut-être raison qui des l'agent c'est on l'autre oui, mais quand même on pense que monsieur était une agence à que Real Madrid a balayé le terrain n'a pas essayé jamais tout. Jao, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Et PSG, c'est un, en plus que c'est un, comme dit, c'est une machine à sous. PSG. Et pour entrer dans PSG, en tant que Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, un paquet de bagages que nous-mêmes nous pas connaissons, un paquet de pression psychologique. Gan paquet de bagages qui a passé en dessous en un club que nous pas connaît. Ouais. Et si nous faisons une analyse de dernier discours Kylian Mbappé a, les trucs que bagages que le pape dit qui révèle même Jean Lionel Messi t'a dit en pile monde t'a dit ou t'a estimé que Lionel Messi peut-être excuse la chercher. Donc gan bagages que cap rivé joyeux que nous-mêmes au grand public que nous pas connaît. Et Kylian, c'est vrai que il pas remporté Ligue des Champions mais un plus gros titre football la baille, surtout dans bois européen, mais ça n'a pas empêché que Kylian était un grand joueur, il était toujours un grand joueur. Donc, français, c'est vrai que PSG, comme a dit Lionel Messi, c'est pas bon joueur qui peut faire gagner la Ligue des Champions. Ouais. Ça, c'est plus faut gagner, ça aurait les une mentalité de champion. Et c'est peut-être, c'est comme tu as dit ça, c'est recette ça que PSG beaucoup trouver, mentalité de champion ça, qui fait que Kylian, pas ni Lionel Messi échoué, Kylian échoué, Neymar aussi échoué, il n'y a pas arrivé fait que Paris Saint-Germain, un gros club comme ça qui vient dans le monde, pas prendre tout ça. Bon, nous espérons que quand même, un jour, quand même, Paris Saint-Germain, pour investissement que vous faites, a pas arrivé pour un titre comme ça, sans Kylian ou avec Kylian Mbappé. Voilà, c'est Gedeps. Nous remercions pile et nous souhaitons bon séjour aux États-Unis. Merci. Et très bientôt, c'est nous qui allons venir au l'autre bois. C'est porte la grande ouverte et ou un petit garçon qui c'est moi-même, ou un carré jonvelé, captain nous, et qui à toute disposition, ou une communauté haïtienne de France là aussi qui croit qu'à regarder chaque jour, qui adule nous. Et, ou même Jacqueline Bélizère. Donc, c'est ça. Donc, communauté attend pour que nous venions. Nous faisons même un petit omblé, quelque chose pour parler de la voix de l'Amérique, pour expliquer au mieux la voix de l'Amérique, parce que c'est très important. Et le nom s'entend, mais il y a besoin plus d'explications pour qu'on ait qui ça, pour qui ça nous implanter nous autant, nous investir autant dans la communauté, dans les communautés, pour Haïti autant. Il y a besoin de réponses parce que tout le temps, et à travers moi-même, il y a été un problème, mais cette fois-ci, c'est Iconio qui a venu parler de ça, et nous souhaitons qu'un jour, on va venir, dans l'année, ça, même si possible, nous attendons les bras ouverts. Mais bon, on va commencer à sembler comme là, c'est Tika. Oui, bon. S'il faut que je prenne la main, bon, pour être facile, je prends la main, façon plus facile là, je prends les mains, mais je viens quand même, je pouvais voir la communauté à l'autre quand même. Voilà, c'est là, avec invité nous, et Gedems, un correspondant à Paris, c'est l'autre bras droit là qui est à Paris, donc monsieur c'est le capoté toute nouvelle guinée, ça capable du continent européen pour nous, surtout à Paris avec communauté haïtienne là, et bien nous mettez fin à ce que ça nous fait chaque jour avec communauté haïtienne là, présent nous dans Facebook qui besoin qu'on ça capable passer tout. Je veux dire on te parle d'un petit peu de